Alors pour cette recette, on aura besoin de 400 g de blanc de poulet que j'ai pris soin de couper en petits dés. Il nous faudra 200 g d'oignons frits et 5 cuillères à soupe de sauce rougail. Sauce rougail, qu'est-ce que c'est? Alors en général, c'est une sauce qui nous vient de l'île de la Réunion. À l'intérieur, on peut y trouver du jus de citron. Nous avons aussi du piment rouge, du curcuma, de l'ail, du thym, du poivre, des tomates, un petit peu de sel, un petit peu de sucre. Donc c'est vraiment une superbe sauce. Alors maintenant, on va y mettre donc les 5 cuillères à soupe. Alors pas trop rempli. On va mélanger, donc c'est pas la peine de mettre du sel et du poivre, parce que dans la sauce, il y a déjà un petit peu de sel, c'est également poivré. Et les oignons frits donc sont également salés. Donc pas trop de sel. Hein. Alors là, on mélange comme il faut. On récupère un morceau de poulet mariné. Ensuite, on le recouvre d'oignons grillés. Et on le dépose directement donc sur une plaque. Si vous avez du mal à enrober donc vos morceaux de poulet, vous pouvez tout simplement les passer dans un premier temps dans un petit peu de farine. Ensuite, vous enlevez l'excédent de farine, vous repassez ça dans la sauce et ensuite dans les oignons grillés. Et si jamais vous voyez que tout n'est pas bien recouvert, vous pouvez donc saupoudrer comme ceci par-dessus. Alors maintenant, j'ai mis le four à préchauffer donc à 200 degrés. Et là, on est parti pour une cuisson entre 10 et 12 minutes. Hein. On surveille, c'est parti. Alors nos poulets croustillants au rougail donc sont cuits. On attend un petit peu que ça refroidisse et ensuite, je vais passer à la dégustation. Alors, on va goûter un petit peu cette petite merveille. Oh là là, je vous montre ça de près. Allez, c'est parti. Alors c'est vraiment phénoménal, pas besoin de sel, pas besoin de poivre. On a vraiment tout dans la sauce et dans les oignons grillés. Alors je peux vous garantir que c'est une véritable recette pour les gourmands. On a vraiment du croustillant partout, vous allez vraiment vous régaler, c'est vraiment super bon.